Je voudrais dire quelque chose qui va peut-être paraître exorbitant, mais ça ne l'est pas du tout. J'aimerais que dans les jours qui viennent, tous les journaux s'appellent Charlie Hebdo. Tous. Qu'il y ait une réponse partout pour dire non, pas ça. Ça serait déjà quelque chose de formidable, que les publications fassent ça. Je sais que vous allez tous faire un travail formidable, qu'il y a une solidarité qui va jouer, que la police va travailler, que les journalistes vont faire leur métier. Mais symboliquement, je pense, pour ces gens qui étaient des journalistes tellement exceptionnels, Cabu était un génie, tous ces gens-là, Volinsky, tous ces gens-là, c'est notre survie démocratique qui est en jeu. Il ne faut pas céder à la peur. Devant un acte de guerre, il n'y a qu'une seule chose à faire quand c'est de résister, même si là on est effondré, on n'a pas de force, même si on n'arrive pas vraiment à être bien clair, même si nos idées sont embrouillées par le choc. Il faut vraiment répondre, il faut répondre fermement. Il faut que tout le monde réponde, les artistes, les intellectuels, les musiciens, tous ceux qui s'adressent aux autres, tous ceux qui ont cette tâche merveilleuse dans la société de distraire, d'informer, de cultiver. Il faut qu'ils soient là et qu'ils disent: on est Charlie Hebdo. Je voudrais tellement que les journaux s'appellent Charlie Hebdo demain.